Voilà les amis, passionnés de toilettage, je vous présente mademoiselle Gwen qui est là pour son épilation. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà fait ce côté, j'ai déjà fait la tête et les oreilles. Je vais avec vous faire juste cette partie parce que c'est long, très très long à faire. Gwen, pas bouger, Gwen, reste là. Alors vous allez voir, ça vient très bien. On y va Gwen? D'accord? C'est d'accord? Alors on va peut-être pas faire vidéo numéro 2 parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps. Parce que sur ce coup-là, je me suis fait avoir. Je croyais que j'allais le faire un peu plus vite. J'ai pris du retard. Voilà. C'est une épilation. Et elle est très gentille, Gwen. Elle accepte bien. Et Gwen vient ici pour la première fois. Là, ça tombe hein, et le chien il accepte. Et Gwen, reste droit. Hé, hey, Gwen, ce qu'est du poil. Ah mais c'est chouette. On n'entend pas les sirènes de police, c'est bien pour une fois. Hein, Gwen? Attends, reste droit. Gwen, reste là. Alors je prends le trimmer très fin maintenant. Regarde la caméra. Gwen, regarde, fais voir ton beau sourire.
Dans Gwen. Ça, c'est ce qu'on attrape. Attends, Gwen. Ouais. Hop là. La musique et laisse-moi travailler. Là, il est vraiment très grand. On a des plus petits. Hop, 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 on pédale pas. Eh, Gwen, Gwen, pédale, hein? What they say, never care.
Et ben voilà, on est de l'autre côté. Hein? Et c'est par là qu'on travaille. Allez. On travaille bien le ventre pour que ce soit bien propre. On essaye de ne pas pincer le ventre du chien. Un peu parce que le poil est très dur. Normalement on devrait l'épiler souvent ou le gratter, ce chien là, pour qu'il n'y ait pas un sous-poil aussi épais en faisant ça comme ça. Mais là les gens ils viennent pas souvent, voilà, il fallait que régulièrement on fasse ça pour pas tomber tous ces sous-poils. Voilà, qui fait beaucoup d'épaisseur du coup sur le chien. Là, c'est quelque chose à faire tous les 15 jours, mais qui voudra le croire? Les gens, ils ont un teckel, ben, ils viennent deux fois dans l'année, et puis voilà. Hein. Alors, ça, c'est un travail à faire tous les 15 jours, ça. Comme ça, là il va être comme ça ce chien à la fin. Je vais juste mettre quelques produits pour fixer tout ça bien droit là. Voilà, c'est à peu près ça la finition. Voilà les amis, pour Gwen c'est fini. Alors à la prochaine pour une autre vidéo. Petit coucou de Gwen et à ciao.